Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue. Voilà, l'année s'achève. On va faire un petit bilan de ce qui s'est passé cette année et ce qui va arriver l'année prochaine sur la chaîne. Déjà, bonne soirée à tous, bonne année, en espérant que 2022 sera meilleur. Alors, le bilan de 2021, alors il va être court parce que vous avez vu que cette année, il n'y a pas eu beaucoup de critiques sur la chaîne. Pas beaucoup de vidéos. J'avais promis il y a quelques mois, voire début d'année, que j'avais prévu de faire deux grosses vidéos. Le problème, c'est que, ben, comme vous le savez, j'ai déménagé, j'ai eu des gros soucis personnels, donc je me suis pas trop occupé de la chaîne cette année. Les quelques critiques que j'ai fait, ben, il n'y en a pas eu tellement. Donc c'est pour ça que cette année, il n'y a pas eu de flop ou top des films que j'ai vus. J'en ai pas vu énormément. Vous avez remarqué qu'au cours de l'année, là, le nom de la chaîne a changé. On est passé de Pourquoi regarder ces films à Jonathan Ciné Gaming Live. C'est pas pour rien. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que quand il y avait Pourquoi regarder ces films, je m'étais enfermé dans le cinéma. Et moi, je veux pas m'enfermer dans quelque chose. Je veux vraiment faire ce que je veux. Donc, ce qui va se passer en 2022 sur la chaîne, c'est ce qui se passe actuellement. Vous aurez des chansons. Alors, les live gaming, je ne sais pas encore si je les continue là ou sur Twitch. Je ne sais pas encore. Si maintenant on continue sur la chaîne, on n'aura pas tout le temps. Voilà, entre le boulot, les tournages de vidéos, ça prend du temps, donc on n'aura pas tout le temps. Peut-être qu'on en fera peut-être un live gaming dans le mois. Donc je vous laisserai même choisir le jeu. En commentaire, si je l'ai, vous le faites, si je l'ai pas, on le fera pas. Les critiques ciné, alors les vidéos vont reprendre leur cours techniquement, normalement, dans la semaine qui va suivre, le 31 décembre. Ce qui veut dire que cette fois, je ne me base pas sur un planning comme j'avais fait à l'époque, parce que ben, j'ai pas le temps de faire de marcher comme ça. Donc, soit vous aurez dans la semaine une critique ciné, une chanson, voire deux, voire plusieurs, ou rien. Voilà. Mais techniquement, il y aura beaucoup plus de contenu sur la chaîne et on va recommencer, mais pas comme avant. Je vais aller à mon rythme, je vais faire le rythme que moi j'ai besoin. Ensuite, vous voyez que le décor a été modifié. C'est pas pour rien. Comme vous le savez, j'ai déménagé. Alors là, le cadre est pas top. La lumière, ben pour l'instant, j'ai un spot qui va me servir, enfin, un téléphone qui va me servir de spot en fait. Donc pour l'instant, on va tourner comme ça. Jusqu'au jour où je vais trouver vraiment le bon cadre. Ensuite, on verra. Écoutez, pour les petites infos, ben, je pense qu'on a fait le tour. Alors j'aimerais remercier ceux qui m'ont soutenu, ceux qui soutiennent la chaîne. Ceux que je connais personnellement, ils se reconnaîtront. Donc voilà. Oui, l'année 2021 était très dure. Il n'y a pas eu beaucoup de contenu, mais forcément, c'est pas parce que j'avais pas envie de faire tourner la chaîne, c'est parce que tout simplement, ben, il y avait des soucis personnels, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. C'est tout. Donc, moi, je vous souhaite une très bonne année. Ne vous inquiétez pas, la chaîne va reprendre. Continuez les films à jouer aux jeux vidéo. Ciao.